Un petit leurre que je vais vous présenter maintenant, mais très rapidement, parce que c'est quand même un grand classique que tout le monde a, c'est le Mickey. Le petit Mickey monté sur une tête plombée d'1,5 g. Voilà, donc un petit leurre très finesse, qui va apporter de micro-vibrations et d'ondulations sur les fonds. Un petit leurre qui fonctionne partout, sur à peu près tous les carnassiers, et marche très bien sur la truite. Il n'y a pas de doute. Donc pour installer un Mickey, c'est tout simple. La partie bombée vers le bas. J'enfile mon leurre en gardant l'axe jusque là. Et voilà. Un petit montage simple sur une petite plombée d'1,5 g qui va vous permettre d'aller gratter sous les cailloux, dans les petits postes, faire des animations sur place. Un petit leurre très sympa, faut pas écarter pour la truite, surtout pas. Une nouveauté cette année pour changer un petit peu, qui est le Teaser King, un tout petit taille hyper finesse, donc un coloris bonbon, le rose paillette, un coloris magnifique, donc que ce soit les truites, les perches, le black bass, tout le monde va succomber à ce petit coloris là. Donc pour le monter, plusieurs façons. Donc moi je conseille toujours soit une tête plombée ronde, voilà, soit de micro tête plombée type foot, donc là on va utiliser ce micro leurre hein, dans des endroits qui sont pêche light et fine. Donc pour ceci je vais l'équiper sur une TP foot d'1,5 g en H6, le H6 étant la taille la plus courte chez Macadam. Donc deux façons de monter l'heure hein, soit on le monte la queue vers le haut, soit la queue vers le bas, ça dépend de chacun. Je vais le monter la queue par le haut. Alors quand on veut monter un petit leurre, la première chose que l'on fait, c'est qu'on présente la tête plombée sur le leurre pour savoir à peu près où elle va sortir. Une fois que l'on a enfoncé jusqu'au repère, on n'a plus qu'à retourner, voilà, et à installer la petite tête plombée sur le leurre. Donc la petite TP foot, pourquoi ? Une raison simple. Ça apporte un petit peu de rolling, oscillation latérale gauche-droite. Et en plus, sur les fonds, elle a tendance à se poser la tête la première, ce qui permet de tenir le leurre quelques instants à la verticale, comme ceci, décollé du fond. Donc, très attrayant sur les endroits un petit peu encombrés, les bancs de sable, les bancs de cailloux, peu importe. Ce petit leurre à gratter sur les fonds sera tenté plus d'un poisson. Voilà, tout petit montage. Je vais vous laisser un peu devant, à regarder. Donc on peut le monter également sur des micro têtes plombées de 0,6 g, sur les pêches à vue. Moi ce que j'aime bien, c'est déceler le poisson. Une fois qu'on a décelé le poisson, il faut lui présenter un petit leurre hyper finesse. Donc là je lui monte un 0,6 g en H6. Encore une fois, le plus petit armement qu'on puisse disposer chez Macadam. Je pose, présente mon leurre, et voilà. Donc, nous avons une tête plombée de 0,6 g sur un Teaser King, micro Teaser King. Vous pouvez me croire, ça prend du poisson. Pour ceux qui auraient tendance à vouloir pêcher en verticale, pas de problème, de la lande à penser à vous. On va vous proposer une tête plombée
triangulaire dite sabot qui va être spécialement conçu pour la verticale va vous permettre de maintenir verticalement votre leurre par l'équilibrage un peu mieux sur les fonds pour les pêches à droitier.